Salut les frérots, c'est Frankie Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Marseille-Nantes. Voilà, on gagne 3 buts à 1. Je t'avoue que ça fait plaisir, cette victoire fait plaisir parce que après la nouvelle défaite en Ligue des Champions, j'avais un peu le moral à zéro, je pense comme tous les Marseillais. Mais là voilà, au-delà de la victoire, il y a vraiment des choses intéressantes dans ce match. Voilà, parce que j'ai. Pour une fois, ben, je me suis régalé. Voilà. Ça faisait longtemps que je prenais plus de plaisir avec l'OM. C'était compliqué. Donc, 4-3-3, hein, côté marseillais, ça change pas comme d'habitude. C'est le système de jeu de Villas-Boas. Mais bon, là, sur ce match, ça a payé. Donc, Mandanda dans les buts, Sakai, Caleta-Tsar, Alvaro, Amavi en défense. Camara, Rongier, Cuisance au milieu de terrain. Et la triplette, Payet, Benedetto, Thauvin. Donc, deuxième minute de jeu. Le match, il venait à peine de commencer. Deuxième minute de jeu. Tu as une passe exceptionnelle de Rongier. Voilà, la passe, elle est magnifique. Il fait une longue ouverture pour Thauvin. Et voilà, ça fait 1-0 pour l'OM. Thauvin qui finit tranquillement. Thauvin, quand même, qui est important, mine de rien, parce qu'il a quand même de belles stats. Donc, 1-0 pour l'OM, deuxième minute. Ensuite, tu as le deuxième but de Payet, voilà, avec une très bonne cuissance que j'ai beaucoup aimé, cette première mi-temps de cuissance. Il est sur le côté, voilà, il revient pied gauche, passe en retrait pour Payet, ça fait 2-0. Donc voilà, 2-0 la mi-temps, cette première mi-temps, franchement, je pense que c'est une des meilleures premières mi-temps de l'OM. Voilà, avec du pressing, tout le monde pressé. On était haut, voilà, on a eu beaucoup d'actions, on a eu l'envie, on a eu l'agressivité, tout ce qu'il faut. Voilà, première mi-temps, parfaite, rien à dire. Voilà, c'est pourquoi vous faites pas ça en Ligue des Champions. Alors moi, dans ma tête, je me suis dit, ils nous prennent pour des cons. Parce que vous voyez que vous pouvez le faire. Pourquoi vous jouez pas comme ça tout le temps? Tu vois? Cette première mi-temps, c'est parfait. Voilà, on mène 2-0 à la mi-temps. Ensuite, la deuxième mi-temps commence. Bon, on commence très bien la deuxième mi-temps avec toujours ce bon état d'esprit, l'envie qu'il faut. Penalty pour l'OM à la 60e minute. Et enfin, Pipa est de retour. Benedetto qui transforme ce penalty. Voilà, la vérité, j'étais content quand il a marqué, même si je le critique tout le temps parce qu'en ce moment, c'est dur Benedetto. Mais chaque fois, moi, j'ai envie qu'il marque. Voilà, parce que j'ai envie justement qui me fasse fermer ma gueule, tu vois. Donc oui, là, Benedetto, il a mis son but. J'ai bien aimé sa célébration, voilà. Franchement, ouais, ça m'a fait quelque chose. Quand il a montré Maradona comme ça dans le stade. Franchement, c'était une belle image, voilà. J'ai bien aimé ça aussi. Ça fait 3-0 pour l'OM. Ensuite, voilà, tu as la réduction de Nantes, Ludovic Blas. J'adore ce joueur, au passage aussi. Reprise de volée, tu sais, dévié, Mandanda peut rien faire, ça fait 3-1. Et là, on a commencé un peu à rentrer un peu dans nos travers, voilà, on perdait un peu des ballons, on commençait à jouer long. Mais voilà, le résultat était acquis, voilà, ça fait 3-1 pour l'OM. On est troisième de Ligue 1 avec deux matchs à moins. Si tu gagnes tes deux matchs à moins, tu es leader de la Ligue 1. C'est quand même un truc de fou, voilà. Mais franchement, ce match-là, oui, vous m'avez fait plaisir. Voilà, vous m'avez fait plaisir et j'étais énervé aussi parce que je me dis pourquoi vous faites pas ça tout le temps? Pourquoi? Vous jouez comme ça tout le temps? Cette première mi-temps que vous avez fait, franchement, vous m'avez régalé. Voilà, il y a eu quelques défauts par-ci par-là, mais voilà, j'ai vu une cuissance exceptionnelle. J'ai vu un Amavi exceptionnel aussi, très gros match. Alvaro Caleta-Tsar très solide. Sakai aussi, je l'ai trouvé bon. Camara un peu de temps en temps des pertes de balles, mais ça va, il a été là. Rongier, il a été bon aussi. Cuissance très très fort. Hein. Cuissance, grosse première mi-temps de cuissance. Thauvin, ben, ça va, il a raté quelques actions, mais il a mis son but, il a fait son petit match. Benedetto, que j'ai trouvé meilleur, voilà, malgré son but, c'est pas parce qu'il a marqué que voilà, mais ça va, il a essayé de se battre et tout, ça va, j'ai bien aimé. Payet aussi, qui a fait un bon match, à part vers la fin. Je sentais qu'il était KO, mais ça va, il a été bon. Après, tu as eu les entrées de Strootman, il est rentré pour se battre. Voilà, donc, si tu veux te battre, tu vas faire de la boxe. Hein. Voilà, rentre, joue au ballon, Strootman. Tu vois, déjà que c'est limite. Quand tu rentres, s'il te plaît, joue au foot. Tu vois, rentre pas pour te battre. C'est bon. Voilà, c'est Nantes, on mène 3-1, tranquille, calme-toi. Tu vois, belle entrée de Marley Ake. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Marley Ake. Il y a eu Nagatomo qui a remplacé Sakai. Voilà, je crois que c'était ça les changements. Peut-être j'ai dû en zapper, mais voilà,
On va conclure. Belle victoire de l'OM. Enfin, il y avait du jeu. Voilà. Enfin, il y avait un pressing cohérent, tous ensemble. Hein? Donc, servez-vous de ça, les gars. Servez-vous de ça. La première mi-temps, surtout cette première mi-temps, je sais pas, regardez la vidéo à l'entraînement, je sais pas moi. Regardez la première mi-temps que vous avez fait contre Nantes et essayez de reproduire ça tout le temps. Voilà, essayez. Essayez parce qu'on le sait que vous pouvez. C'est pour ça que moi, je m'énerve avec vous. Parce que je sais que vous pouvez faire des bons matchs. Donc voilà, là on va aller contre, on va jouer contre l'Olympiakos ou Nîmes avant, je sais pas. Mais en Ligue des Champions, il va falloir battre l'Olympiakos pour essayer de jouer au moins cette troisième place. Mais je vous dis la vérité, même si on finit quatrième de la poule, voilà. Attention, la Ligue des Champions, elle est cuite. Voilà, elle est cuite. Mais voilà, ça c'est un autre débat. Très bon match de l'OM, je suis content. On est sur le podium avec deux matchs en moins, c'est bien. Voilà, en Ligue 1, on fait le travail. En Ligue 1, on fait le travail, c'est bien. Voilà. En tout cas, ben. On va passer un bon dimanche, un bon samedi, tu vois. Voilà, ça va pas me tuer mon week-end. Au contraire, voilà, ça, vous m'avez donné un peu de plaisir ce soir, c'est bien. Voilà, c'est bien, les gars. Et puis, pas, je suis content que tu as marqué. Voilà, je suis content que tu as marqué parce que moi, j'ai envie que tu marques à tous les matchs. Voilà. Voilà, les gars, je vous laisse là. C'était Francky Foot. Allez, l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude. Et allez, l'OM. Allez, l'OM, les gars. Et on sera toujours là. On sera toujours derrière notre club, quoi qu'il arrive. Voilà.